Salut à tous, on se retrouve pour la mission suivante, la remorque égarée. Alors, je tenterai bien de prendre un petit passage que j'ai jamais pris. Je tenterai bien de passer par là. Alors, il faudra que j'aille faire la vidange, mais je la ferai après. On va se mettre quelques points quand même pour pas que je me plante de route. Bon, allez, on met les points à chaque endroit. Tac. Tac. Je connais pas du tout ce chemin. Alors là, j'ai un Voron, ça devrait le faire. Tac, 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 et puis après, on la ramène ici. Allez, on est parti. Bon, et ben, on va continuer avec le petit Voron. De toute façon, je vais peut-être lui mettre une benne, mais oui, la benne en plus, elle se revend à un prix. Ça, c'est le petit avantage de ce que je me suis mis, c'est que les bennes colorables. Du mode, elles sont quasiment gratuites. Ça m'évitera de perdre du pognon vu que c'est un bug. Je le rappelle, hein, pour les modules qui se revendent moitié prix. Donc là, en fait, je vais me faire plaisir. Je vais mettre une petite benne, ça sera un peu plus joli que d'être à vide. J'aurais dû le faire dès le début. Alors, allez, c'est parti. Ah, j'éternue, excusez-moi. Ah, allez, let's go. Allez, on va y aller tranquillement. On va essayer de se calmer. Mais vraiment, ça me dégoûte. Encore un bug. Ça sort, il y a encore un bug. C'est encore pas contrôlé. Pourtant, c'est une des options qui aurait dû être là. Est-ce que tu veux que les améliorations se revendent moitié prix? Il y en a pour tout. Il y en a pour les modules internes. Enfin, non, pour les modules internes, ça y est pas justement. Parce que c'est les pneus, les modules internes, je crois. La traduction est assez mauvaise aussi. Mais il y a pour les remorques, il y a pour les camions. Est-ce que tu veux revendre ou pas à moitié prix, machin. Et ils l'ont pas fait pour les modules. Ballot. Vraiment ballot. Allez, on va faire un petit peu de vue interne. Ça pourrait être pas mal. Hop là, oula. J'avoue que ça commence à être assez cool d'avoir du bon véhicule, plutôt de qualité et tout ça. Même si ça avance pas très vite, là ça commence d'être assez intéressant de conduire ça avec le volant. On crée juste qu'on ait la possibilité d'acheter et revendre ce qu'on veut, comme j'ai fait. Et là ça serait cool. Bon, on va enchaîner 3-4 missions, mais dans des vidéos séparées. Hein. Donc ça fera des petites vidéos ce coup-là, normalement. J'ai ça à faire, la remorque égarée. Ensuite, j'ai le truc de la vidange. Et ensuite, j'ai Motel Miteux, une autre remorque. Et puis, j'aurai encore des points de passage à faire avec des tonneaux, là, de distinction locale, je sais plus quoi. Mais je l'ai pas encore déverrouillé, je sais pas, je comptais y faire avec autre chose. À moins que vidange, j'y fasse avec le Marshall, comme j'avais dit, puisque je peux l'acheter, l'utiliser tel quel, il est déjà assez bon. Et puis même chose pour distinction locale, c'est à des endroits différents, assez éloignés. J'aurais peut-être pas dû couper. Bon, allez, c'est pas grave. Donc ouais, je pourrais peut-être acheter le Marshall quand même pour les autres trucs, de toute façon ça me. Acheter un véhicule, ne pas le tuner, le revendre, ça ira. Mais par contre, j'aurai pas d'essence en rab du tout. Zéro essence de rab. Sinon, faut que j'achète le module et que je perde peut-être 4, 3, 4 000 balles. Là, c'est pas cool. Donc, ça va pas le faire. Alors, tu tournes assez mal. Ou alors, c'est parce que j'ai pas l'habitude de ton gabarit, mais. Peut-être que je tourne trop tard, mais pourtant j'ai pas l'impression d'être déjà dans les arbres. Et pourtant j'y suis.
La route est à droite. Et voilà, le camion qui cale. Sans aucune raison. Oh là là, c'est vraiment un bug que j'avais jamais vu. J'ai pas l'impression de l'avoir vu avec les scouts, peut-être que si. Mais je croyais que c'était plutôt que les camions et... Ça a l'air d'être pas mal les scouts, enfin... Les scouts, je sais pas du coup. Mais en tout cas, les camions, c'est sûr que c'est présent. Ouais, bah, je sais pas ce que c'est que ce nouveau bug. Je l'ai pas vu passer. À part sur jeuxvideo.com, mais je sais pas si les devs sont au courant ou quoi que ce soit. Faudrait que j'aille voir un petit peu dans les rapports de problèmes techniques. Ah, j'ai toujours pas de snorkel, ouais. Ouh, ça a peut-être été de chaud, ça. Ouais, ça va. Il passe juste, il est quand même assez haut, ça va. Donc, un petit coin sympathique. Alors, faut que je tourne à droite. Si le camion accepte de tourner. Ouais, je ferai bien la mission avec le canne Marshall, voire deux missions, mais j'aurai pas assez d'essence pour la faire, quoi. Et du coup, soit faut que je paye l'essence, soit faut que j'achète le module et... Oh là là, quelle horreur. Quel dilemme à la con. Bon bah cette petite route elle était sympa, je la connaissais pas. Hop, alors. Hop là. Ah, je me disais que j'allais faire au rétro, mais il a arrêté de regarder le rétro. Ah, et puis alors, le rétro, oui, il est pas fou le rétro. Hein. Ouais, je vois à peu près la remorque là en bas, mais c'est risqué de faire qu'au rétro là. Hein. Je sais pas ce que je fais. Hop! Ah, voyons voir. Je sens que je vais aller me cracher sur un caillou de l'autre côté que je vais pas voir. De l'autre côté, ça donne quoi la caméra? Ouais, ça va, c'est mieux comme ça. Je vois un peu mieux ce que je fais. Bien ce qu'il me semblait que je tournais du bon côté, mais le camion il a pas réagi comme je voulais. Là, je suis peut-être un peu trop près. Hop. Ouais. Sauf que 1, 1, 1, 1. Hop. La petite photo habituelle. Peut-être changer un peu de côté, ça peut être pas mal. Alors si tu pouvais effacer la petite fumée, ça pourrait être cool. Ça gâche un petit peu tout. Merci. Ouais, avec le marécage comme ça, c'est pas mal. Hein. Allez. On va dire ça comme ça. Allez, on est reparti. Ça devrait aller. Ça passe tout seul là-dedans.
La lente, elle est là. Non, t'es si long que ça? Allez, vas-y. Tu vas nous sortir de là. Allez, let's go. Ouais, du coup, j'ai pas de boîte ourde, j'ai rien. Bon, là, au Michigan, c'est pas là que ça va être le plus utile. On va réussir à s'en passer easy. Mais il va falloir que je gagne vite ma croûte, moi, parce que si je revends des camions, j'en rachète, machin, là, ça va pas être possible. C'était juste. Ça, je me rappelais même plus de ce passage. Waouh. Il est bien pourri. Virage à gauche. Hop là. Allez, 300 mètres. Allez, vas-y, un petit peu de vue externe pour voir où est-ce qu'on se gare. Oh, les boîtes aux lettres, les boîtes aux lettres, les boîtes aux lettres. Tant pis. Amazon passe pas là, de toute façon. Et ça rentre pas. Allez, hop. Voilà. 1600 balles. Remorque égarée, terminée. Et ben voilà. Ça, c'est une épreuve de fait. Donc par contre je sais pas, je vais peut-être faire une pause du coup dans l'émission. À moins que je trouve un cheat code, que je me mette un peu dessous. Pas forcément beaucoup. Ça m'embête, hein. Ça m'embête parce que j'aime bien le côté avoir un petit peu de difficulté, mais là en fait ça me j'ai pas de difficulté, j'ai un bug qui me bloque quasiment. Il me bloque quasiment, donc je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Je vais réfléchir dans mon coin. Et puis je verrai pour la prochaine fois pour demain. Allez, sur ce, on se retrouve à la prochaine mission. Salut!